Bonjour, nous sommes en Corse pour un nouvel essai. Alors ce n'est pas un essai traditionnel avec une seule moto, c'est une gamme complète de 7 machines. Alors elles ne sont pas là toutes les 7 parce que vous voyez, on est en bord de mer et c'est assez difficile d'accès. On est sur une petite crique privatisée. Par contre, on a toute la gamme Kawasaki, des modèles qui sont compatibles avec le nouveau permis A2. Donc il y a 7 motos dont 2 nouveautés dont on va vous parler en détail. Alors, il y a un point commun entre le journalisme et Bugs Bunny, c'est qu'on se dit boîte neuf, docteur. Alors, sur les 7 motos, il n'y en a pas 7 qui sont nouvelles, il y en a 5 qui étaient déjà au catalogue et 2 qui viennent d'arriver en 2018 dans l'offre de Kawasaki. Alors, si on commence par la cylindrée la plus petite, c'est la Versys 300. On l'a essayé l'année dernière déjà en Corse, ici sur le repère des motards.com. C'est une petite moto, c'est un petit trail à vocation assez routière, on est bien installé, bien protégé, même s'il y a une route 21 pour faire un peu de tout terrain. Mais disons que la définition de la moto, c'est quand même plus la route, le quotidien, le commuting, un peu la balade. C'est un petit trail assez pétillant, le moteur fait 40 chevaux, c'est quand même bien punchy, c'est super agile, c'est un vrai jouet. C'est étonnant hein, d'ailleurs pour un 300 d'avoir ce niveau de compétence et de performance. Alors les seules critiques qu'on peut dire, voilà, c'est peut-être la selle un petit peu dure, mais ça, ben, quand on est jeune, on s'y fait. Et puis pour le reste, c'est une machine qui est sobre, qui est assez plaisante à conduire et qui n'amène pas du tout de frustration eu égard à sa petite cylindrée. À côté, on a aussi des machines bien établies, hein, qui sont même dans les meilleures ventes en France, qui sont toute la famille des 650. Donc il y a la Z650, la Ninja, la Versys et la Vulcan, le petit custom. Alors on a repris ces motos aujourd'hui sur les petites routes de Corse en plein soleil, donc là c'était quand même plutôt sympa. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que le bridage à deux n'est pas frustrant parce qu'on a du couple dès les plus bas régimes sur les petites départementales où on va pas forcément très vite, on remet du gaz à 3-4 000 tours, ça reprend vraiment bien, il n'y a pas de frustration, on n'est pas là en train de se dire il manque quelque chose. Alors évidemment, le 650 bicylindre qui est quand même réputé pour dans ces versions qui font dans les 70 chevaux, voire un peu plus, être assez sympa haut dans les tours. Là, bon, passer 8000, forcément, il n'y a plus grand chose. Mais pour un débutant, pour quelqu'un qui veut la balade à rythme raisonnable, c'est vraiment convaincant. Et là aussi, il n'y a pas vraiment de frustration de se dire qu'on est sur une petite machine ou sur une moto qui est trop bridée. Alors, le bridage, c'est un bridage électronique. Kawasaki le facture 90€ dans le réseau. Et puis évidemment, quand on en a passé les 2 ans de probation, on peut repasser sur une machine full power, je dirais, avec beaucoup de facilité. Alors ces 4 machines, on les connaît, elles ont toutes été essayées sur le site lerepairedesmotards.com. Vous pouvez y aller et sur le bandeau bleu du haut, cliquez sur la rubrique essai, puis Kawasaki, et vous allez avoir l'essai en détail. N'hésitez pas à le faire, hein, n'oubliez pas le clic, c'est la vie, merci d'avance. Alors nous, on les a repris aujourd'hui, on les connaissait un petit peu déjà ces motos, mais c'est vrai qu'elles ont comme point commun ce moteur qui est vraiment très volontaire, assez bien bridé et très agréable, encore une fois sur un environnement sinueux. On a même pu avoir un rythme un peu joueur, on suivait Bruno Langlois hein, qui a gagné 2 fois Pax Peak, et ben même avec une moto de 47 chevaux dans la route Bruno Langlois, ben, ça reste un vrai moment de plaisir motocycliste. Alors on a redécouvert une Versys étonnante de confort et de polyvalence, une Z super facile et super évidente à prendre en main, une Ninja bien stylée dans son coloris bleu, la 2018, et pas du tout radicale en position de conduite. Et puis une surprise, moi j'avais pas encore roulé sur la Vulcan, et ben malgré ces petits débattements de suspension, il y a de la souplesse, il y a de l'amortissement, c'est assez facile à conduire, elle avait un pot à roue qu'on vous fera écouter, c'est bien punchy en termes de sonorité. Et alors sur ces 7 machines qui sont compatibles permis à 2 au sein de la gamme Kawasaki, il y a 2 nouveautés 2018. La première, c'est la Ninja 400 qui succède donc à la Ninja 300, et c'est une toute nouvelle machine parce que le moteur, c'est pas un réalésage ou un suralésage du bloc précédent, c'est un nouveau moteur qui est 45 chevaux. 45 chevaux, ça commence à être correct hein, comme niveau de puissance. Déjà, on est juste à la frontière de la limite légale. Et puis surtout, c'est un moteur qui est extrêmement souple. On a pu tout à l'heure rouler à
à 60 à l'heure en 6e et ça le fait très bien. Il est assez vif et je dirais même nerveux, punchy, entre 8 et 12 000 tours. Et en fait, comme cette moto a plutôt un très bon train avant et une belle agilité, en fait, le cadre, il est inspiré un petit peu du cadre de la H2, c'est-à-dire que c'est un treillis qui est sur la partie avant. Et ça donne une machine avec laquelle on rentre très facilement au virage et on peut commencer à se faire des vraies sensations sportives parce que la conduite, la position de conduite est un petit peu plus basculée sur l'avant que sur la Ninja 650. Et puis on se prend en jeu avec une moto très légère, 168 kg, avec une moto qui rentre en virage en bougeant une oreille quasiment comme une 125, avec un moteur qui finalement, pour un 400, il n'y a pas du tout, encore une fois, de frustration ou de gêne ou de manque de puissance. On se prend en jeu, ça hurle un peu dans les tours, ça accélère bien. Et puis comme c'est léger, on soigne ses trajectoires, on rentre les bras, on essaie d'être le plus fluide possible et au final ça marche. Alors on la reconnaît, évidemment elle a un look de ninja, donc surtout dans ce coloris KRT, il y a un noir aussi qui est disponible, on la reconnaît très facilement. Par rapport au modèle habituel, elle a des petits flancs sculptés un petit peu là comme sur une H2. Et puis tableau de bord complet et surtout feu avant full LED, donc c'est pas une moto au rabais, hein. C'est aux environ de 6 000 €. C'est une moto qui est une moto, je dirais, aboutie, complète, cohérente et qui sera évidemment la première sportive des permis à deux. Allez. Et alors, plat final de cette dégustation sur les 7 machines à deux et sur les 2 nouveautés 2018, eh bien, il y a la Z900 compatible A2. Donc au départ, la Z900, là aussi, vous retrouverez l'essai sur le site lerepairedesmotards.com. La Z900, c'était une vraie évolution et beaucoup plus réussie en termes d'agrément, de puissance et de châssis que les Z précédentes. Donc la Z, elle fait 125 chevaux, donc évidemment, ce n'était pas possible de la brider. Donc Kawa a fait une version 70 kW. Qui est un petit peu différente. Là, on n'est pas que dans de l'électronique. Hein. On la reconnaît avec ses couvre-culasses qui sont gris et non pas noirs. Si vous regardez deux modèles, vous verrez que la Z bridée a des tubures d'échappement qui sont beaucoup plus petites, donc il y a une vraie restriction à l'échappement. Et puis dans le moteur, évidemment, il y a une cartographie. Et puis, il y a aussi arbre à cam qui sont un petit peu différents de la version d'origine, ce qui fait qu'on ne pourra jamais, hein, parce que Kawasaki respecte la loi, faire passer sur un jeu de cartographie et de mapping une Z de 95 chevaux à une Z de 125 chevaux. Alors cette moto, l'avantage, c'est qu'elle est bridable, donc elle est aussi recommandable pour les jeunes permis. On a roulé aujourd'hui sur les deux modèles, sur le modèle 47 chevaux et le modèle 95 chevaux. Alors le 95, que voici. En fait, finalement, dans un usage quotidien, routier, balade, on ne voit pas de différence par rapport à la 125 chevaux. On a même l'impression qu'elle est un petit peu plus remplie tout de suite dans les tours. Donc c'est une moto qui est plutôt sympa, plutôt réussie. Il n'y a pas une différence gigantesque. Et donc, il n'y a pas de raison qu'elle ne continue pas à faire des gros scores de vente. Hein, je vous rappelle que la Z900, c'est le roadster de moyenne gros cylindrée le plus vendu dans sa catégorie. Et puis, on a aussi roulé sur la version 47 chevaux. Alors par contre, quand on roule sur la 47 chevaux, on voit tout de suite qu'effectivement, il n'y a pas autant de patates que sur la 95 et a fortiori la 125. Quand on accélère à bas régime, il y a un petit trou, comme si on était sur une cartographie moteur vraiment pluie. Mais alors l'appui, l'orage, hein, donc on voit bien que la puissance, elle est quand même réduite. Ensuite, je dirais dans les mi-régimes, ça tracte, ça avance, on arrive à avoir des reprises correctes. Et puis passer 6000 tours, là, la moto, évidemment, on ne peut pas attendre de miracle, hein, la puissance est vraiment réduite. Donc ce serait une Z qui certes délivrera pas tous les mêmes plaisirs que les autres modèles, mais qui, je dirais, pour un usage de commuting, de balade tranquille, de découverte du monde de la moto, fera le boulot. Et puis surtout, pour ceux qui cherchent, qui sont séduits par l'esprit de la Z, c'est quand même la seule moto de ce segment qui est compatible avec le permis A2. Alors maintenant, si vous le souhaitez, je vous propose de vous inscrire à la chaîne YouTube lerepairedesmotards.com. Vous y verrez de nombreuses vidéos qui sont déjà présentes dans notre chaîne. Et puis surtout, il y a beaucoup d'autres modèles A2 qui vont enrichir ces vidéos au catalogue. Et puis on reprendra probablement ces Kawasaki en détail pour faire les essais complets qui sont ciblés sur chacune des motos, notamment la Ninja 400 et la Z900 A2.